Salut tout le monde, c'est Priya. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le live. Nous sommes sur Alice Madness Return, donc Alice retour au pays de la folie. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à tous. Alors je vais mettre un peu tout en place. Hop, tac. Ah, ça m'a découvert. Alors, désolé, je vois pas vos commentaires pour l'instant parce que ça m'a déconnecté, les gars. Je sais pas pourquoi. Pour me faire chier. Salut Céline, salut Gaëtan, coucou Benoît, bienvenue, bienvenue à tous. Alors, est-ce que je les vois ou pas les commentaires? Actualiser le chat. Non. Ah, je vois pas vos commentaires, fait chier. Putain. Alors je vais essayer de faire comme ça. Alors je vais voir si je me mets comme ça. Mais non, j'aurai pas les commentaires non plus. Pourquoi ça me fait ça? Bon, mais c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Hein. J'ai pas trop le choix. Je vois pas bien vos commentaires, mais je vais essayer de lire au maximum. J'ai le son. Alors là, aujourd'hui, ça a pas envie. Hein. Ça a envie de me faire chier. Voilà, on est bon. On est bon. Donc, on s'était arrêté, on était revenu dans le monde classique. Il veut pas, hein? Il veut pas, le son ne veut pas se mettre dans mes écouteurs. J'en ai marre, les gars, j'en ai marre. Pourquoi tu veux pas être dans mes écouteurs, mec? Je t'ai jamais dit de. J'ai un gros souci. Un gros souci. Vous le savez, hein, mes problèmes, de toute façon, moi, j'ai toujours des problèmes. Hein. Hop. Décalage horaire du son. Comment ça, vous avez un décalage de son aussi? C'est juste moi. Non, c'est que le son ne veut pas aller dans mes écouteurs, ça veut rester sur l'ordinateur, je comprends pas pourquoi. Voilà, je peux pas, j'ai le son qui va sur mon écran d'ordi, alors que le son devrait être à l'intérieur de mes écouteurs. Et je comprends pas pourquoi le son est sur mon ordinateur. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et ça ne veut pas marcher en fait. Je comprends pas pourquoi. Et pourtant j'ai le son qui est dans mes écouteurs, mais le jeu ne veut pas. Donc je vais peut-être fermer le jeu et remettre le jeu après. Alors j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Le son de mon ordinateur, c'est dans mes écouteurs et le son du jeu, c'est sur mon écran. Je peux plus, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre, les gars. Mais putain, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi, les trucs comme ça? Mais sérieux? Mais c'est chaud quand même. Je suis fatiguée. Oh, putain. J'en ai vraiment marre. T'es bon, là? Vous croyez qu'on va y arriver ou pas? Déjà, je vois pas vos commentaires, vraiment. Je suis énervée, là. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Alléluia. Mais sérieux, je ne vais jamais y arriver. Comment ça va tout le monde? Alors, je sais plus qu'à qui j'ai dit coucou. Mais c'est clair, mais moi j'ai toujours pas de cul moi dans les jeux.
Allez. Donc on s'était laissé, on est dans l'épisode numéro 4. Voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver. Je suis vraiment désolée, j'ai eu des petits soucis. Salut Marie, comment ça va? Est-ce que le son du jeu, le son de ma voix, c'est bon? Ou vous voulez que je baisse un peu le son du jeu? Ce qu'on entend pendant quand il y a les cinématiques et tout. Comment elle est arrivée là, celle-là? Là, je vais faire un petit tour aussi sur Twitch. Mettons-la à la sirène mutilée pour la nuit. Dans l'eau. Va faire le beau pendant une bagarre. Que faites-vous donc? Ce que veut la nature. Je ne m'entends pas avec elle. Dégagez. Alors là, carrément, il n'y a pas de son du jeu dans tout sur Twitch. Alors là, carrément, il n'y a pas de son du jeu. Oh, mais sur... J'en ai pas. Alors sur Twitch, on n'a pas le son du jeu. Je crois pas qu'on va pouvoir jouer aujourd'hui. Je pense que vraiment, ça a envie de me faire chier jusqu'au bout du bout. Voilà. Ils ont pas envie que je joue. Ils ont pas envie que je commence. Ils ont juste envie de me faire chier. Ça va Ludo, par les soucis, là j'en ai commencé à en avoir vraiment marre là. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas le son du jeu. Ça va me saouler cette histoire. Alors tout à l'heure on entendait le son du jeu sans problème, mais là on n'entend plus. C'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Le truc c'est que ouais, on va réessayer. Est-ce qu'on entend le son du jeu ou pas? Toujours pas. Toujours pas. Bon ben j'ai pas de son de jeu sur Twitch. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des gros bugs là. J'ai des très gros bugs. Marie, j'étais assez fatiguée hier. Je me suis reposée. Ah non, ouais, j'ai des gros bugs. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire le jeu là, les gars, parce que je n'ai pas de son. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de son en fait. J'ai aucune idée de pourquoi il n'y a pas de son sur Twitch. Je suis assez fatiguée de tout ça, moi. On va essayer comme ça. De toute façon, moi, j'ai jamais de chance. J'ai toujours des bugs tout le temps. Que ce soit Facebook qui me fait chier ou autre. J'ai toujours des gros soucis. Là, Facebook n'a pas envie de me mettre les commentaires. Facebook aussi, ils ont envie de me faire chier. Des gros. Je vais essayer de voir, peut-être que je pourrais avoir les commentaires comme ça, ouais. Comme ça, ça sera quand même mieux, je verrai mieux. On est bon, on réessaie ? On réessaie. Ludo, est-ce que tu peux aller faire un tour sur Twitch, s'il te plaît, pour me dire si le son est revenu ou pas ? Ouais, tu imagines si je redémarre tout, il faut que je relance un live et tout. Non, c'est bon, laisse tomber. Le chat me rappelle Madina. Nourrice l'a vue. Ouais, c'est bon, le son est revenu. On est bon. Si ça continue, plus rien n'avancera. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. On est bon, les gars. Donc, on est revenu, on est reparti, on est parti du pays imaginaire, du pays des merveilles, là. On va s'en jeter une à la sirène. Et on est revenu dans la vraie vie. Mais c'est bon, j'ai vu Ludo. T'inquiète, j'ai vu, regardez, il y a le son qui est revenu. Les poulettes comme toi aiment les gros durs, je parie. Ta gueule. C'est aimable à vous, mais j'ai déjà rendez-vous avec un autre homme. Et ça,
Elle est raide, celle-là, hein? Où est mon dieu? Le docteur dit que j'ai une maladie vénérienne. Mets-moi vite fait ces tirs au flanc sur le trottoir, sinon je te jure, c'est toi qui les remplaces. Y'a mis à tous ces gars. Maudit satyre. Tu ne tiendras pas jusque-là. J'obtiendrai ce que tes catins me doivent, sainte Nitouche. Tiens-le-toi pour dire. Et dis-toi que je ne mouille pas ma culotte sous les mains. Salut Chris, comment ça va? Ouais, ça y est là. Lidl, je vais m'occuper de toi. Allez, amène ta tête d'ahuri par ici. Ok, meuf. Oh, attends. Le billet sur le plus gros. C'est qui le plus gros? Putain, il se fait massacrer. Alors, trois billets. Ah ben ça doit te faire du bien là. Elle est où là? Si tu me payes pas, je te jure que je fais un tas de cendres de ce qui te sert de maison. Allez-vous-en, elle n'a rien fait. Ouais, c'est bien mon problème. Ah, tu m'étonnes. Est-ce qu'on va réapparaître dans le pays des merveilles? Oui. Mais on est où là? Bienvenue à tous. Merci Franck pour le like. Ok. Je me souviens des touches. Voilà, bon, il faut que j'essaie quand même de réussir à tout récupérer. Ah bah tant mieux Chris, c'est cool. Merci Pascal pour le like, merci à tous pour les likes et les partages, merci beaucoup. Salut Chantal, comment ça va? Le pays des cauchemars. C'est clair, c'est plus un pays des merveilles là. Déjà le parapluie là. Merde. Je me rappelle plus comment on fait le parapluie. Je sais plus quelle touche, putain merde. Voilà. Merde.
Robin, coucou Guillaume, comment ça va? Ah, mais c'est cool, Chris. Salut Jean. Ouais, re-Jean-Louis. Bah, je t'ai dit. Non, t'étais là, Jean-Louis, en fait. Alors, attends. Ah, mais il est chelou, lui. Je crois qu'il faut qu'on lui tire dessus. C'est chelou, non? Ce qui est sorti. Non. On aurait dit que ça faisait un truc, mais non, en fait. Ça fait rien. Attends. Il faut une petite bouteille. Il faut une bouteille. Attends, c'est chelou ce soir. Coucou Mylène, comment ça va? Une bouteille. Mais comment j'y rentre là-dedans? Une Amazon, c'est clair. Je vais partir là-bas, mais j'ai peur de m'éloigner, Céline. Est-ce qu'il faut que je le fasse avant le truc, ou est-ce que ça peut me faire revenir à un endroit là? J'ai pas l'impression. Je pense que ça peut me faire revenir. Oh putain. Non, j'ai dit Robin. J'ai du mal à entendre. Ah, mais je veux pas aller là, moi. T'as vu mon message, Céline, ou pas? Est-ce qu'il y a un truc à faire là où il y avait la petite bouteille là-bas, là? Oh, il est là. Repartir. Ok. Je vais repartir parce que j'ai raté Cochonou là. Claque-toi la gueule. Oui, mon fils il va bien. C'est juste qu'il se réveille la nuit, le mec. Mais il va très bien en fait. Il va très très bien. C'est juste que du fait qu'il se réveille la nuit parce qu'il fait une poussée de croissance, donc il a un peu mal aux jambes, il veut que je le masse. Donc il veut que je lui masse les jambes. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu la pub du PQ. Ah bah c'est peut-être ça le truc du cheval là. Bienvenue à tous les gars. Putain, il y a cochon encore hein. Douce con. On va récupérer ça. Cheval bâton. Ah bah voilà. On va pouvoir péter les trucs. C'est quoi déjà? J'ai même pas regardé. Quelle touche. J'en ai marre de moi. Eh oui, c'est ça. Je t'ai pas vu ça. Ah, mais là, s'ils me donnent des touches de clavier, les mecs, je n'ai pas ce touche sur moi. Thank you.
Tu vas me faire chier longtemps, mec. Comment tu... Ah, attends. Alors, ça y est, ça fait année. Salut ma petite Arena, comment ça va? Ça fait plaisir. Donc ouais, il a mal aux articulations, le pauvre Choupiné. Donc il faut que je le masse. Alors là, il y a un truc ici. Ah mais c'est là où j'étais tout à l'heure, non? D'aller voir là-bas. Ah mais il y en a un autre là-haut là. Comment on utilise en fait? Ah mais en fait je me suis fait chier avec le bâton là. Mais en fait, voilà, je vais tout péter avec ça là. Cochonou, il est dans les parages, je l'entends. Il est là. Mm-hmm. Ça va nickel, ma petite Sabrina. Alors, attends. Quel drame. Le navire a coulé corps et âme. Ouais, c'est ça, le fait de le masser, il n'était pas fait pour naviguer sur les mers de glace. Nos ambitieux gouvernements mettent des vies humaines en danger en rivalisant d'expéditions polaires. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien aller là-bas, moi, là-haut. C'est qu'elle vole, mais faut pas exagérer quoi. Je vais voir. Ok. C'est pas mal ça aussi. Connard! J'utilise rien du tout. Je le masse, c'est tout. Ah, tu parles pour les dents? Alors, attends, moi, pour les dents, j'utilisais... comment ça s'appelle? Putain, c'est français en plus. C'est une sorte de petite pipette. Ah, je me rappelle plus, Chris. Mais le truc, le petit poisson que tu mets dans le congèle, ça, ça marche super bien. Camélia, c'est ça. C'est ça, Céline. J'utilisais pareil. Ces petites pipettes et franchement, ça marche super bien. Ah, le truc, c'est que j'ai peur de tomber, de pas pouvoir remonter, là. Mais comment je monte dans les endroits comme as? C'est chelou quand même. Pas du tout, c'est naturel, c'est pour les bébés. Dolodin, ok. Sinon, j'avais aussi la crème anesthésiant, parce que bon, moi, il m'a fait des grosses crises. Ah, ça va. Ah, mais ça va. Je me rappelle plus ce que c'était, mais c'est une marque australienne, donc... Ah, merde.
Non, ouais, les trucs que tu mets dans un congèle, ça marche super bien. Faire quoi, là? Je vois pas du tout où est-ce que je dois aller. Coquinou. C'était caché. Non, mais je crois... Attends, je crois qu'il y a en France le petit gel. On le met pour nous, pour nos dents, et il y a le truc spécial bébé. Ah, il faudrait que je regarde, je m'en rappelle plus. Mais je sais qu'Amelia marchait bien. Le poisson... Ouais, c'est ça, le poisson, ça marche bien. Va sur Sabrina, parce que moi je suis en Australie et Camilla à la base c'est français. Tu télécharges l'application eHerb et normalement l'application eHerb il te livre partout dans le monde. Donc normalement tu devrais pouvoir Ray avoir Camilla. Sweetless n'a jamais pu garder une bouteille de gin plus d'une heure. Elle serait capable de vendre jusqu'à son corps pour obtenir sa dose. Ok. Ouais, mais là je veux bien, ça me mène ici, ok? Mais après. Ah là. Ah non. Mais non, ça me fait revenir là, là. C'est un mystère, cette histoire. Je vais jamais pouvoir remonter là-haut, moi. Attends. Non, je peux pas aller. Non, nous, c'est l'hiver. Ma voix, elle est un peu faible sur Twitch. Non, mais là, je peux pas faire grand-chose sur Twitch. Attends, fais voir. Alors, ma voix est faible sur Twitch. Fais voir. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Ok. Normalement, je pense que ça devrait être ok là. Tu me diras, Ludo. Ah merde! Chien. Ok. Voilà, on est bon. Et hop. Donc là, je pense que ça devrait être ok. L'hiver, il fait... là encore, il fait encore bon. Il fait 24 degrés le matin, 30 l'après-midi. Donc ça reste correct. Et après, quand tu rentres vraiment dans l'hiver, parce que là, on est en automne, on rentrera en hiver en juin. Quand tu rentres vraiment dans l'hiver, il fait à peu près... Dans les 14 le matin et 25 l'après-midi. Ah, connard. Okay.
De rien. On est où, cochonou? On t'entend, mec. T'es où? Ah. Ah, t'es là. Dors bien, Robin, bon courage. Alors, on a tout récupéré, là? Coucou Antoine, bienvenue. Ouais, le plus froid qu'on a eu, ça a été 12 degrés le matin et pendant la nuit. Attends. Un truc là, non? Voilà. Ah ouais, tu fais un sacré bon. D'un côté, hein. Ah, oh, mais ouais, mais... Tu peux pas choisir? Est-ce que je peux revenir refaire une autre, l'autre toboggan après? Refaire le toboggan, meuf. Est-ce que je peux remonter? Merde, raté. Ah, oh, oh. Pour la case départ, non, c'est pas 20 000 francs. 20 000 francs, le mec, t'es vraiment à l'ancienne, mec. Merde, dommage qu'on puisse pas remonter. C'est nul. Un escargot chelou. Voilà, c'est pour aller à la suite. Bienvenue à tous, les gars. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh non! Me dis pas que ça me fait sortir. Je suis où, là? Oh, Alice, aucun indice.
comment distinguer la reine d'un typhon? Tu ne cesses de me surprendre. Je suis trop intelligente. Ah, regarde, Céline. Oh non, j'ai pas pu récupérer les pétales. Est-ce que je peux leur tirer dessus? Oh merde. Salut Aurélien, comment ça va? Et ouais, le toboggan, hein, au final, tu peux le faire qu'une fois, le toboggan. C'est dommage. Il y a quoi là-bas? Okay. Ça va super, merci beaucoup Aurélien. Oh putain, oh. Il est encore là. Il y en a un autre. Salut Seb, comment ça va? Bienvenue. Ok, c'est cool, c'est top ça. Pas oh, vraiment, j'étais trop une pro technique la meuf. Oh. Ah merde, j'ai raté. Je retourne. Éclate ta gueule. Ok, et... c'est quoi là? Ok. Ah, mais c'est cool, moi aussi, Seb, je suis une fan Zelda, donc... celui-là de Alice, tu peux l'avoir sur PlayStation 3 aussi. Il n'est pas que sur PC, il est sur Play 3 et Xbox. Ah ouais, moi Zelda, c'est ma licence préférée. Il y a des Zelda tout le temps. Bon là, on commence à être... à avoir fini tous les Zelda bientôt là. Mais c'est pas possible que quand Breath of the Wild est fini, on va faire un peu les Tomb Raider et après, une fois qu'on aura fini les Tomb Raider, possible que je fasse peut-être Majora's Mask. C'est le seul qui reste pour l'instant, à part s'ils me font ceux qui sont sur Game Boy. On peut, si on peut jouer à ceux qui sont sur Game Boy, parce qu'à ce qui paraît, on devrait pouvoir jouer avec les jeux de Game Boy sur la Switch. À ce moment-là, je ferai peut-être Minish Cap et tout. Mais ça, faudra voir, on attend de voir. C'est clair. Il y a quoi ici? Ça, on a Pichestre. Ah, il y a des trucs là. Mmh.
peut pas casser. Ok. Pourtant, il y a un couche-nous là. Bon, mais je pense que je vais revenir ici. Non, Tomb Raider. Ouais. On a connu, je les ai tous fait les Zelda. Tous. Attends, mais c'est chelou ça, Céline. Je vais revenir là. Parce que je veux être sûre, hein, que je peux pas le péter ce machin et que je vais bien revenir. Il y a un cochon, il est là-dedans. Ah non, moi je l'ai commandé sur la Super Nintendo. Même pas, sur la première Nintendo, sur la NES. J'avais le premier, il était très moche. Et ensuite, je l'ai joué sur Super Nintendo. Et après, je l'ai joué sur 64. Ben ouais, mais j'ai essayé de le tuer avec le cheval, ça a rien fait. Ah merde! Bon, ben trop tard, je peux plus remonter. Oh chier. Ah, je suis deg. Il y a un coucou? Non. Non. Non, les seuls coups que je peux faire, c'est ceux-là, là. Même si je reste appuyé longtemps. Mais non. Donc ouais, c'est chelou quand même. Tu devrais monter à bord, Alice. C'est cuit, c'est sûr. Quoi? Alors, c'est fini? Oh, ce n'est pas fini pour tout le monde, mais pour nous aussi. Viens, monte là. Ouais, c'est bizarre. Maudite bête, elles m'en veulent. Vous devriez être plus à l'aise. Oh non, je suis dégoûté. Vous en avez soupé, amiral? Oh, j'ai une idée. Ah, mais pourtant, j'appuie sur la touche, ça me fait pas faire des gros. Il produit une pièce qui promet beaucoup. Allons voir. Plongez donc, amiral. Nous nous servirons de souper. Bah ouais, mais je vois pas quelle touche ça peut être. Je vois pas la touche parce que j'appuie quand j'appuie sur le X. Ça faisait ça en fait. C'est bizarre, je sais pas. Y'a que Céline qui est au taquet. Ludo, il est pas au taquet du tout.
perdue. Tout à l'heure, j'arrivais à tous les choper au début. C'est trop près, trop loin. Que tout à l'heure. Gagné. Putain, en fait j'ai perdu, j'étais à la fin quoi. Merci Dame Prisca pour le like. Il fait mal de partout. Nous avons chuté trop vite. Mon bateau n'est plus qu'une épave, tout comme moi. Vous êtes resté jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, je ne vous ai pas connu marin. Dans mes souvenirs, vous étiez chef de gare des Voies du Miroir. Renvoyer des chemins de fer, sans prime, curieux dialogue social. Jamais de congé, jamais un seul retard. Nos voix divergent, serrons-nous la main. Comme si j'en avais une. Plus de voix du tout, je dirais. C'est une catastrophe. Je suis sans train. Des fallait voix pucher sans les train. Et c'est une chose à un train d'enfer. Mais tout ce que j'ignore ne m'atteint pas. Voilà tout. Mieux vaut ne pas savoir. N'en parlons plus. Mieux vaut éviter certains sujets dans tous les sens du terme. Dans ce cas, connaissez-vous ce nouveau train en tant que complément? Tu ne respectes pas la souffrance des autres. Adresse donc tes questions et tes traits d'esprit au bon Bix. Désolé, amiral, vraiment. S'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous savez. Je sais juste que nous avons échappé à l'infection. Tu devrais t'estimer heureuse d'être arrivée ici. Je ne veux pas m'échapper. Je veux l'arrêter. Je dois l'arrêter pour guérir. Et pour guérir cet endroit. Absurde, vraiment absurde. Tout n'est que diversion, divertissement, chaud d'hiver. En parlant d'hiver... Vous chauffiez. Oui, j'en viens au chaud. Voici un billet pour le spectacle du charpentier. Prends-le. Ok, fais voir. Ok, on est toujours dans le même chapitre. Là-bas.
Aucune excuse. Une coiffe tout à fait grotesque. Si je possédais un accessoire aussi informe, je le brûlerais. Détruisez toute trace de lui et niez son existence. Je veille à ma réputation. Ah, perso, ta gueule. Réputation, pas sûr. Hein. Ça se pète ces trucs là. Alors attends, je vais essayer de voir là-bas. Ouais, mais ça me fait avancer là, je pense. Ouais. Alors que là-bas, on a quoi là? Il y avait un mini trou comme un, je me le suis pris dans la gueule. Ouais, je vois pas où est-ce que tu voulais dire le gros coup là. Non, les seuls coups calmés, c'est ça, elle. Je sais pas, c'est trop chelou. La gueule. Bon, ça va. J'ai raté les dents. Bon, on va vivre, c'est pas grave. Hein. Je peux rater les dents que tu veux. J'ai raté un truc là-bas, là. Comment j'y vais? Tu peux monter sur la tarentule chelou, là? Non, hein. Putain.
Attends, on va repartir en arrière pour voir. Dans les profondeurs. Ah merde, ça m'a fait reprendre en fait, ok. Ah mais voilà, comme ça je peux aller en face en fait, c'est bon. Ouais. Là j'y suis allée, hop ici. Ah merde, en fait, il n'y avait que dalle. J'étais la dernière dans la bibliothèque la nuit de l'incendie. La cheminée ne brûlait plus quand je suis allée me coucher avec Dina. Si j'ai mal éteint, je suis peut-être responsable de leur mort. On est bon. Eh ben voilà les gars, normalement ça a dû me faire une sauvegarde là. J'espère. J'espère, écoute. Normalement je pense que oui, ça a dû me faire une sauvegarde. Hop. Donc on est bon les amis. On a bien joué. Hop. On va se mettre ça ici. Eh bien les amis, on va se laisser ici pour l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu les gars. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour les personnes qui souhaitent s'abonner. On a les abonnements qui sont gratuits et classiques qui vous donnent accès à tous les lives de la semaine. Et vous avez aussi les abonnements qui sont à 4,99€ si vous voulez avoir des avantages supplémentaires. Un avantage où vous pouvez jouer avec moi en coupe. Nous sommes sur Elden Ring tous les dimanches. Il y a deux abonnés par semaine qui jouent avec moi sur Elden Ring. Vous avez la possibilité de me suivre aussi sur le Discord. Nous sommes en Discord vocal. Je fais souvent aussi des sortes de petits lives privés aussi sur le Discord. Et vous pouvez aussi bien sûr gagner un jeu vidéo que je fais par tirage au sort. Prochain tirage, c'est bientôt, c'est début juin. La dernière, c'était Céline qui a gagné. Elle avait choisi le jeu Furby. Vous choisissez le jeu de votre choix. Voilà, en tout cas, je vous fais tout plein de très très gros bisous. On se donne rendez-vous demain avec Aloy pour Horizon Forbidden West. Nous continuons nos aventures, nous sommes bientôt à la fin du jeu. Donc il nous reste encore quelques trucs à faire, mais on est plus vers la fin que vers le début. Voilà, de gros gros bisous à tous, passez une excellente journée les amis. C'est pareil, ça a été un bonheur de faire ce live avec vous, comme d'hab. Bonne journée à tous, bye bye.